you are about to embark upon the Great Crusade. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine. We will accept nothing less than full victory. Je suis pas dedans. Recule pas. Franchement, on aurait pu y aller. Vas-y, avance. Roule. C'est pas grave. On aura un véhicule pour après. Ah, ça commence à faire la gueule celui-là. Il est dans le jaune. Normalement, on a vu, il n'y a pas trop de mouvement. Planque derrière la maison et on continue après. Ok. On désembarque là ? On se désembarquer. Désembarquer. C'est vrai, on avait 500 mètres à ça. Ça valait vraiment le coup. Ah bah, c'est ça, moi je. Splittez-vous. Et là, on suit les marches. On a personne là, c'est bon. De distance, je passe en tête de colonne. Et on continue sur la gauche de la route. Wood, reviens par ici. Il y a personne. Ah merde, ouais. Ok, j'attends. Je me mettais un peu plus à droite. Pas mieux qu'on aille plus sud-ouest et faut qu'on se mette le cul, la Blood Wall est déjà en train d'attaquer, il faut qu'on les rattrape. C'est ça, allons-y. Faut pas que ça fasse un pain de sucre. Il y a un blindé à notre sien. Attention. Je vais voir. La fille prend des hits, il est en feu, je crois. Il est en feu, il s'est fait engager. La blindée, vous pouvez le voir sur la colline en azimut 230, il y a un blindé sur le haut de la colline. Il se fait engager. Depuis là où je suis, on le voit. Hein. On peut voir les départs de coups depuis ma position là. Il est juste en haut, en 230. Je suis là. Je le vois. J'ai aussi l'infanterie au niveau du bâtiment. La maison. Attention, on se fait tirer dessus. Nyx, recule. Planque-toi, Nyx. Nyx, t'as failli t'en bouffer une, tu vas t'en reprendre bientôt. Oh putain de merde. Écartez-vous des arbres et des maisons. Nyx, je vais te soigner. Non, il faut qu'on décroche. Je vais me foutre auprès de la route, moi. Smith, ouais, j'ai transmis qu'on était en coincé. Oh, les salopes. Oh, putain. Ouh, pas passé loin. Smith, on continue par l'ouest. Ok. Donne lieu de notre situation, on s'est fait intercepter par un blindé, plus de l'infanterie. On continue plus. C'est déjà transmis. La Blue Bull aussi s'est fait coincer. Smith, je transmets les infos au blindé et j'arrive. Quoique, c'est pas la peine, j'arrive. On doit essayer de rejoindre un char pour nous aider. Mais on a un char derrière nous là. Hein. Le commandant dit qu'on essaye de rejoindre un blindé. Bah, y en a un derrière nous, hein. Faut le dire, mec Cormac. Il regarde. Cormac. Restez caché. Ouais. Faut qu'on rejoigne le blindé pour progresser avec lui. Le blindé, il est à notre nord-est. Je peux les rafaler là. Vas-y, on continue. On avance. Tente une rafale et après on décroche. Non, sortez bien. Allongez-vous, planquez-vous. Ah, oh, Nyx. J'arrive. Nyx est down. J'en ai eu un. Planquez-vous. Faut qu'on se laisse oublier un moment là, sinon on va s'en reprendre encore dans la gueule. Moro, tu revives Nyx et ensuite on décroche vers le blindé pour progresser avec. Yep. S'il y en a un qui peut rester pour pas loin de moi quand même au cas où. On fait du 1 pour 1, je suis pas loin. J'ai mis une balle dans le tas là. Oui. Wood, on récupère Nyx et après on décroche pour récupérer le blindé et avancer avec lui. Ok. J'ai balancé une grenade dans le tas, je sais pas si j'ai fait l'effet. Allez, on va juste faire.
pas Nix. Oh, tu t'as fait du carnage, hein. Je vois qu'il y a de l'allemand éparpillé. Oui, j'ai eu une tête au j'ai fait un boîtier. Ah non, mais j'ai du carnage, on avait fait une tête au MG, donc. Ouais. On leur a fait. Qu'est-ce qu'on fait là, Macromax? Ça fera sortir le blindé. Du coup, on attend. Le blindé arrive sur nous, Smith, c'est ça? Smith? Écarte-toi, en cas où. Le blindé vient sur nous, c'est ça? Oui. Ok, bon, on reste en stand-by, on attend qu'il vienne. Ouais, toi t'as pris ton casque toi, mais dans un zone t'es pas mort d'une tête, hein. T'inquiète, je suis increvable. Seule la connexion me tue. C'est ça, seul mon PC peut me tuer. Allemand visible. Ça, dis-moi ça, il court. Je recharge. En 200 dans les 800. Combien de mètres? Il est au niveau des bâtiments, premier étage du bâtiment. Il y a du monde dans ce bâtiment. Je pourrais pas l'avoir. Hein. J'ai pas de visu. Fais gaffe à tes balles quand même. Un peu plus haut. Il me reste que le chargeur. Un 4 chargeurs sur l'MG. Ouais, dans une des fenêtres. C'est dans un fenêtre, chargeur. Premier étage, fenêtre. Il est au niveau des fenêtres, mais il y a fenêtres sur la gauche. Fenêtre de gauche, premier étage. Joli tir quand même, pas mal. J'arrête de tirer, je vais gaspiller. On va tenter une progression par la gauche. Il va le progresser par la gauche. On descend à gauche, Glenn. Il y a une caisse de mine. On va tenter d'approcher par la gauche du ici. Non, laissez-moi la caisse de mine, laissez-moi. Oui, mais faut pas que tu te sers trop à la prendre par contre, parce que ensuite elle va disparaître. On m'écoute, okay, c'est bon. Attention. On se met là et on avance par la gauche. Ok. On va allonger les buissons et on va aller vers le bâtiment. Objectif le bâtiment, on est pas ça. D'accord. Ok, reçu. Ma fille. On est bien caché, il y a un stop and fill pour te poser Nyx et Tasmax. Tu restes là avec Magred. Tu restes avec Magred et nous on avance. Là, on peut avancer là dans les buissons à l'ouest, là juste ici. Il y a un mec à l'étage, c'est sûr. Mets-toi au niveau du petit rumeur en pierre, il y regarde pas. Ah si, regarde. À ce moment-là, la fenêtre, Glenn. Vous voyez là au premier étage. Par là, Glenn. On peut passer par là. Quoi. C'est pas la peine de tous tirer. Il y en a un allongé là, sud-ouest. Il y en a un qui rampe sud-ouest, mais c'est qui ça? On avance par la gauche et on avance. Est-ce que vous voyez le mec qui rampe en sud-ouest ou pas? Nyx et Magred Moro, vous restez ici, les autres avancent. Merci. On avance. Prends des tirs de quart depuis l'ouest. Continue à tirer dans les buissons. Au niveau de l'étable. Ça tire depuis sud-ouest, azimut 210. Sud-ouest 210. C'est au niveau de la porte. C'est au niveau de l'étable. Azimut 250. Il y en a un à gauche de la maison blanche. Putain merde. C'est MG qui est morte, ok. Le Firefly va arriver, faut qu'on reste en stand-by, le temps qu'il y a on a plus de MG. On peut plus suppresser convenablement les gars là. On peut plus suppresser la maison. Alors on attend que le Firefly arrive, il laisse mettre dans la maison et nous on avance de côté. Ok, reste avec nous. Semblerait qu'il y en ait au moins deux en dehors de la maison. Côté sud-ouest de maison. Au moins deux mecs là-bas. Moi, je viens d'en avoir un au niveau du petit score de table là, qu'on voit 240. Dans les buts. Le blindé à combien de mètres de nous là à peu près? Moro. Oui. Oh putain. Attention, restez caché. À gauche de la maison, t'en as un qui est en train de se montrer. Ah, je peux rien faire malheureusement. Je crois que celui qui nous tire dessus, c'est le mec à l'étage à la fenêtre. Hein. Il me semble que c'est lui qui nous tire dessus là. Je pense aussi. Je vais essayer de reprendre la suppresse sur la fenêtre, j'ai plus que 3 chargeurs. Je sais pas, il répond pas. Je reprends la suppresse sur la fenêtre. Mettez-vous à deux pour la suppresse fenêtre. C'est pas fenêtre, c'est en contrebas, c'est rez-de-chaussée. C'est rez-de-chaussée le mec qui tire. On avance à 3 et on va. Cool et Moro, on va avancer. Ok, mais vous êtes pris entre deux feux là, je crois, les gars. Vas-y, oh putain, oh les gars, c'est galère. Hein. Vas-y, Magrin, on y va. À l'assaut. On passe au travers des buissons, on suit les autres.
Allez Magritte, suis-moi. Okay. On rampant, ça le fait là, parce qu'ils disent. Oh putain, attends, oui, oh, fais gaffe ici, fais gaffe ici, fais gaffe ici. On a des blessés. Ouais, j'arrive, j'arrive les gars, j'arrive. J'arrive Wood, Monsieur Bois, j'arrive. Enterre-moi sous un arbre. Oui, et je te ferai même une croix en bois. Promis. Mais c'est pas au menu là, t'inquiète pas, là je vais te relever, ça va le faire. Non, ils sont en train de le canarder le bâtiment. Ouais, ça tire de la moi. Ok, je vais te relever, faut que tu passes à droite. Faut que tu me suives à droite. Faudrait qu'on le vide le bâtiment. Vas-y, viens là, viens là. Mais le problème, c'est qu'il y a des mecs autour du bâtiment en fait. Attends, je te soigne. On va balancer le blindé d'arrêter de tirer. J'ai. Les gars, j'ai toujours deux gamones et mes deux grenades. Vas-y. Enfin, j'ai deux grenades. Pars avec eux, pars avec eux, pars avec eux. Wood lance les grenades et ensuite nous on lance les nôtres. C'est copié. Attends, je recharge. Moi, j'ai juste il est pas encore prêt, Wood, mais il arrive. Ok, okay, je suis prêt. On se met en stand-by ici. Faut juste me dire où. C'est les vôtres ou les leurs, les grenades qui pètent là? Le bâtiment, n'importe où. Ce que tu vois, tu... J'ai une petite fenêtre en vue. Ils ont jeté leurs grenades, faites gaffe. Wood, cours. Je crois que je le saigne. Grenade, attention. Oh, c'est mort, à bientôt. Faut décrocher les gars. Putain merde, je suis blessé, je me soigne et je vous soigne ensuite. Ah, j'ai besoin d'un bandage, j'ai plus de bandage. C'est bon. T'inquiète pas, je t'ai. Bouge pas d'un pouce poule. Arrosez-les là. Arrosez-les, flinguez. Putain, faites gaffe, STG sud. Putain de merde. On va y relever les autres. Il y a une STG plein sud. Attends, il faut qu'on enlève les copains là. Bien sûr, j'en viens avec toi, t'as sans reste couché. Rez-de-chaussée. Dans la grande porte là, je grenade. Il y en a un là-dedans. Rez-de-chaussée. Il en reste un rez-de-chaussée. Au-dessus c'est clear. Oh. Je rentre avec toi. Putain, non, fais gaffe. Il t'a eu ou pas? Non, bah t'as peu. Je vais lancer ma gamelle. Une fois que t'as acheté ta gamone, viens vite vers moi que je te soigne. Prends. Il avait un verre, moi. Vas-y, prends ton flingue et tends la. Vous pouvez le faire, les gars, ouais, j'ai confiance en vous. Est-ce que c'est toi qui viens de recharger ou pas, ou c'est lui? Ouais, c'est bon, je suis allé. Attends, fais rien, poule. Poule, je crois que j'ai entendu recharger juste derrière la paroi. On va suivre. Vas-y, suis-moi. Enfin, ah, okay. Juste à la fenêtre. Il y a un enfoiré à la fenêtre là. Je viens de le voir passer son fusil. Okay. Je l'ai eu. Ok, garde la porte en visu. Il reste une STG encore. Vas-y, alors tu vas me suivre. On va ramper sous la fenêtre. On va essayer de changer d'endroit. Suis-moi. En rampant. Et ne sprinte pas en rampant. Merde! La salope. Ah putain. Dégoûté. Au moment où je m'arrête. Ah putain, j'y ai pensé en plus.